Allô, Wong ? Oui, allô, ça va ? Oui, c'est quoi cette histoire de champagne rosé et champoupou ? Attends, je t'explique. Aussi douce et tendre comme un filet mignon. Mon amour, c'est ça. Je vous ai parlé de Wong Eli. Voilà, c'était lui. Son lien en description de vidéo. Allez vous abonner et je vous donne plus de détails dans ma prochaine vidéo. Rendez-vous à 19h. Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bien avant de commencer la vidéo, sachez que je suis en direct aujourd'hui à 19h pour une petite mise au point de l'actualité people ivoirienne. Mais dans cette vidéo, je parle de deux poids lourds de notre mouvement coupé décalé, Didier Arafat et Serge Beno. Mais j'ai bien envie de commencer cette vidéo là avec ce message, bien avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Chef fan de Didier Arafat, cher admirateur de Didier Arafat, envoyez ce message à Didier Arafat et dites-lui qu'Erito dit de sortir des bassesses et de se concentrer sur lui-même. Parce qu'il ne connaît même pas sa valeur. Voilà. J'ai deux vidéos que j'ai téléchargées, que je vais vous montrer, qui m'ont parlé. Voilà. Donc, je vous laisse les écouter pour comprendre ce que je suis en train de dire en fait. Bon visionnage. J'espère que le message est passé, hein. J'espère qu'on s'est bien compris. De quoi est-ce qu'on parle dans cette vidéo? Le titre dit quoi? Que Didier Arafat victimisera certains de ses collègues que j'ai, on va dire, résumé avec le mot « beaucoup ». Mais j'aimerais bien qu'on parle de Serge Beno. Cet artiste-là qui impose que le respect, quoi. Le respect et l'admiration. Un des rares artistes coupés décalés qui se dépasse avec tout son staff, que ce soit les danseurs, que ce soit le manager, que ce soit même les choristes et même ses musiciens. Il faut le respecter. Il faut le respecter et puis il faut surtout l'encourager. Parce que normalement si je fais cette vidéo là, c'est par rapport à la caravane de paix qu'a lancé Bébé Philippe. Moi j'ai une petite impression qui peut-être est en train de me tromper. Mais je pense que Bébé Philippe a perdu son temps. C'est malheureux de le dire ainsi, mais c'est la triste réalité. On va dire, il y a une ou deux semaines qu'il a lancé ce mouvement de caravane de paix là. Mais on ne voit pas les résultats. Ça s'est limité seulement qu'à la caravane de Bébé Philippe, c'est-à-dire partir de, chez chaque acteur du coupé décalé, lui parler de son projet de vouloir voir le coupé décalé vraiment, vraiment réuni. Mais ça s'est arrêté là. Il n'y a rien de plus. Moi, je pensais qu'après cette tournée-là, on allait voir certaines connexions comme Didier Arafat et Serge Beno en train de se parler dans une vidéo ou en train d'enterrer la hanche des guerres. Didier Arafat et le Mola et Clay Bailly, DJ Leo avec certains artistes.
Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et pour ma part, je pense que bébé Philippe a bien perdu son temps. Mais on ne baissera pas les bras parce que vous savez que si on veut que notre musique ivoirienne aille très très loin, nous sommes obligés de nous réconcilier. Nous sommes obligés de faire la paix. Voilà. Souvent, ça me revient en commentaire, on me dit, toi tu prônes la paix, tu prônes la paix, mais tu en parles avec ton mentor. Moi, je suis en parlant avec personne. Moi, je respecte simplement les dits de ce dernier-là. Donc, je n'ai pas envie de dire que vous me saoulez, mais le problème ne vient pas de moi. Voilà, moi, je suis très, très intègre et je reste ma position. Déjà que le mec se débrouille déjà bien. Et dans mon silence, je ne cesserai jamais de prier pour sa carrière et la suite de tout. Donc, passons à autre chose. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont peut-être besoin de mes services, qui ont peut-être besoin que je fasse des promotions, qui ont peut-être besoin que je le mette à la lumière. Je ne vais pas me gêner de le faire. Je pense que un de moins, ça ne fera aucun mal. Serge Beno vient bientôt avec un dernier single. Ah, je peux vous rassurer que cette fois-ci, ça ne sera pas une chanson conseil. Hein? Non, ça sera pour danser. Comme on a bien connu Serge Beno avec les hits comme Kaba Peleke, Okenekwen, plein de hits. Et je pense que cette fois-ci, il va signer son retour. Si vous rappelez bien, j'avais fait une vidéo de synthèse pour vous dire que le mec, il sait ce qu'il croit, il compte quand il vous dit qu'il va encore remporter les premiers. Déjà, l'absence de certains poids lourds lui permet cela. Mais quand tu vois un jeune comme Ariel Chiné, tu vois un jeune comme Safari Lebian qui font vraiment énormément beaucoup pour se hisser la tête, pour ne pas dire à la tête du coupé décalé, ça sera vraiment, vraiment chaud. Mais en attendant, il faut reconnaître que Serge Beno aussi est bien parti. En tout cas, si son Koyoko fait un gros boom, il n'y a rien à dire. C'est vrai que Amina est un tube planétaire. Mais on ne sait pas ce que sera l'effet de Koyoko. Donc, on n'a pas besoin de se presser pour vite parler. On n'a qu'à observer. Parce que moi, Serge Beno, c'est un artiste que je respecte. Je respecte et que j'ai toujours respecté. Mais j'étais dans un élan de fanatisme nuisible. C'est pourquoi j'appréciais pas vraiment le talent et le travail de cet artiste-là. Mais Dieu merci, les écailles sont tombées de mes yeux et je vois plus clair maintenant. Voilà. Et c'est vrai, ce serait vraiment, vraiment, vraiment intéressant d'encourager tous ces artistes-là. Et surtout Serge Beno, parce qu'il a aussi apporté beaucoup et il a fait beaucoup pour arriver là où il est actuellement. Voilà. Et moi, je suis très fier de cet artiste-là qui, même pas à l'écart, c'était membre de son staff et qui se déplace avec tout le monde. Voilà. L'argent, c'est bon. C'est vrai, l'argent, c'est bon. Mais on sent que plus tu mets tout le monde à l'aise, plus tu gagnes plus. Et Serge Beno l'a très bien compris. Et je l'en félicite. Je l'en félicite vraiment, 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 vraiment. Donc, apprêtez-vous pour qu'on connaisse Serge Beno. Parce que je sais et je suis convaincu que ça ne va vraiment pas connaître. Je connais l'artiste. Je connais l'artiste. Cette fois-ci, il a adopté une autre stratégie. Une autre stratégie qui concerne à ne pas donner la date de la sortie de son single. Et je pense qu'elle va payer. D'habitude, Serge Beno vient nous dire le temps du mois prochain, je vais sortir un nouveau single et on est tous en attente. Mais cette fois-ci, il a juste annoncé le morceau sans donner des dates et je pense que ça va faire l'effet que ça doit faire. Koyoko, je sais que ça sera un hit. Koyoko, je sais que ça va vraiment bouger parce qu'on a vraiment besoin vraiment de bouger aussi. Hein. Voilà, parce que les artistes comme Kérosène, Venom, ils nous font beaucoup réfléchir et on a besoin que Serge Beno revienne à ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire nous faire danser. Voilà. Donc, c'était ça, l'actu Serge Beno. On passe maintenant pour l'actu DJ Arafat qui va atomiser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. A tout à l'heure. Voilà, j'ai fait exprès de commencer cette vidéo-là avec ces deux petites vidéos que j'ai téléchargées pour vous montrer un peu ce que c'est DJ Arafat. Le mec, moi, je dirais simplement que il sait qu'il s'appelle DJ Arafat. Il sait qu'il a fait des stades. Il sait qu'il a fait, je crois, 5 ou 6 fois le Palais de la Culture. Il sait qu'il a fait 2 ou 3 fois l'Ivoire Golf Club. Il sait qu'il a fait beaucoup de scènes. Mais il ne sait pas ce qu'il est en fait. Voilà. Et moi, vous connaissez, hein, sans vouloir l'insulter, sans vouloir le diminuer, je vais toujours dire qu'il ne connaît vraiment pas sa place. C'est pourquoi on le retrouve toujours dans des petites histoires de basse-cour. Mais je sais qu'il va, il va ce truc se ressaisir parce qu'il prend de l'âge. Il a largement dépassé la trentaine maintenant. Il est père de plusieurs enfants et sa dernière fille même court vers ses 2 ans maintenant. Donc je pense qu'il est obligé de gagner en maturité, en sagesse. Avant de parler de ce qu'il va faire ce mois de juin, de son coup d'état musical qu'il veut faire encore ce mois de juin là à certains artistes, j'aimerais simplement dire que DJ Arafat est un artiste qu'il faut respecter. Jadis, c'est vrai que
Je le titillais, je lui envoyais souvent des piques pour qu'il se calme un peu, pour qu'il comprenne que c'est d'abord de l'amour et non de la haine que je lui envoie. Voilà, moi ce que je dis toujours, tu ne peux pas demander à ce qu'on te comprenne et puis toi tu ne veux pas comprendre quelqu'un. Ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est pourquoi certains d'entre vous ne comprennent pas mes vidéos. Mais vous commencez à les comprendre, je sens ça en commentaire et je sens ça sur les likes. Il y a moins de dislikes et il y a plus de likes. Donc continuez de liker les vidéos, continuez de vous abonner. Voilà, c'est pour la musique qui me ramène quand on travaille, hein. Voilà. Vous savez que ce mois de juin, DJ avait déjà annoncé un tube rap. Je vais le tuer. Quand il parle de tuer, tuer musicalement bien sûr. Et vous avez écouté un morceau au début de la vidéo. Jesse Midika, ça c'est un classique du coupé décalé. Un gros classique, je pense que 30 ans après, quand on mettra le morceau dans un festival ou dans une boîte de nuit ou nulle part ailleurs, tout le monde va chanter ça en l'unisson parce que c'est vraiment, vraiment un classique du coupé décalé. Et c'est l'affaire de DJ Arafat. Mais il dit encore que ce mois de juin-là, il a envie de faire le remix de ce morceau-là. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que le remix sera à la hauteur de l'original? Parce que Jesse Midika, c'est un gros classique, hein. Donc actuellement, on va dire tu joues gros. Vouloir faire le remix de ce gros classique là, est-ce que tu seras vraiment à la hauteur? Parce que jadis, tu n'étais pas dans tes histoires de trap décalé, tu n'étais pas dans tes histoires de vouloir chanter forcément en français. Voilà, c'est ça aussi la vérité que je dois te dire. Je sais que tu es pétri de talent, je sais que tu es bourré de talent, je sais que tu as les tripes pour nous faire un bon remix, mais est-ce qu'il sera à la hauteur de l'original? Parce que Jesse Midika, si tu l'as raté, on verra vraiment, vraiment, vraiment que tu as perdu beaucoup de ton talent. Mais je ne pense pas parce que moi j'ai confiance en toi, je sais ce que tu es, je sais ce que tu peux. Parce que tu te réinventes chaque année. Chaque fois qu'on pense que tu es fini, chaque fois qu'on pense que tu es mal en point, tu montres aux yeux de la Côte d'Ivoire et du monde entier que tu demeures et restes toujours en GD alias DJ Arafat d'Achigan. Donc il annonce encore le remix de Jesse Midika pour ce mois de juin là. On ne connaît toujours pas la date de sortie de ces deux hits là, mais je vous informe, je peux vous rassurer que il va victimiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses collègues. Et je sais de quoi je parle. Je suis très sûr de ça d'ailleurs. Voilà. Tant que la guerre reste musicale, moi j'encourage cela. Mais tant que cette guerre-là va toujours rester dans des directs vidéo Facebook à s'insulter en un point fini, je vais vous souhaiter que du malheur. Voilà. Moi, Hériton, je vais vous souhaiter du malheur parce que vous n'arrangez pas l'image de la musique ivoirienne. Voilà, c'est ça une vérité qu'on doit vous dire. Vous n'arrangez vraiment, vraiment pas l'image de cette musique ivoirienne là. Donc, à bas ces vidéos à la con direct sur Facebook. On n'en a plus besoin. J'ai bien aimé tes deux vidéos directes dernièrement. Où tu es en studio, tu partages tes derniers hits avec tes fans. C'est ce qu'on veut. Est-ce que tu ne fais pas beaucoup de vues? Est-ce que tu ne fais pas beaucoup de likes? C'est vrai que les internautes sont férus d'affirage, de clash. Mais essayez de les éduquer pour rehausser et nettoyer vraiment l'image de notre musique ivoirienne là. On nous a trop critiqué. Vous n'imaginez même pas combien de fois on nous critique. Vous n'êtes pas que des artistes ivoiriens. Vous êtes des artistes africains. Voilà, vous représentez dignement l'Afrique à l'extérieur des frontières africaines. Donc, faites gaffe. On n'a plus besoin de cette vidéo directe à la con là. On a besoin de vous voir sur des morceaux pour nous faire danser. Voilà, on veut voir. On veut entendre dire que, ah, DJ Arafat a contrôlé avec son hit cette année. On veut entendre que Serge Reno a contrôlé avec son hit cette année. C'est ce qu'on veut en fait. On n'a pas besoin de dire que Serge Benoît a insulté X, DJ Arafat a insulté Y. Non, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc concentrez-vous sur votre carrière et on attend Koyoko, Je vais le tuer et Jesse Midika remixed. C'était la vidéo d'Hériton. J'espère que vous a plu. Continuez de vous abonner et puis sachez que je suis là et je resterai toujours avec vous. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao.